Le préfet me charge de vous féliciter et de demander à Allah, le Très-Haut, de conduire tout le monde sur le chemin qui mène à la grande lumière. Et que les enfants d'Odiéné restent toujours solidaires, la solidarité qui est le fondement de la communauté musulmane. Je vous remercie. J'ai bien apprécié les bénédictions de l'imam et des chefs de village pour que le président ait une longue vie dans une parfaite santé, et féliciter le président aussi pour toutes les actions qu'il a posées depuis qu'il est à la magistrature suprême. Et pour nous, c'est une grande joie, d'autant plus que grâce au président de la République, la grande mosquée d'Odiéné, qui avait de nombreux problèmes d'étanchéité, va être totalement réhabilitée. C'était très normal qu'un instinct de reconnaissance, l'imam puisse saluer ces grands gestes posés par son Excellence le Président de la République. Et nous avons salué également l'ensemble de la population des districts qui est venue massivement pour que, effectivement, dans la joie, la paix, on puisse vivre cette grande fête de Tabaski, qui pour nous est une fête aussi de reconnaissance et d'hommage. Donc pour nous, c'est très important que Dieu nous ait donné la vie pour qu'on puisse vivre ce serment-là à notre niveau aujourd'hui. En tout cas, c'est toute la population qui est vraiment heureuse pour cette fête que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En tout cas, nous souhaitons, en ce jour béni de la fête de Tabaski, que le Tout-Puissant accorde une longue vie dans une parfaite santé à son Excellence Alassane Ouattara, afin qu'il puisse poursuivre l'importante œuvre qu'il a réalisée et qu'il puisse le poursuivre dans la paix, dans la concorde, pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens.